Donc, dans les mesures que je vais être amenée à prendre, notamment au travers d'un arrêté, des mesures qui sont similaires à celles du Haut-Rhin, est venue s'ajouter la fermeture également de l'enseignement supérieur, il y a l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. C'est l'arrêté que j'ai signé d'ailleurs il y a quelques instants et qu'on pourra vous commenter, qui correspond à ce qui a été fait dans le Haut-Rhin, avec des exceptions bien sûr, les commerces, parce qu'il faut aussi que la vie continue, c'est le sens du plan d'action que l'on met en place ensemble, les exceptions, donc les commerces, mais aussi les moments plus difficiles dans la vie, les obsèques, des moments plus agréables aussi, les mariages. Donc il y a quelques exceptions dans cet arrêté qui va être publié et qu'on pourra commenter. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 13 mars et nous sommes toujours dans l'actualité du Covid-19. Avec moi ce matin pour en parler, Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg. Bonjour Monseigneur. Bonjour Hervé. Alors, première question, l'épidémie donc, du Covid-19 sévit depuis plusieurs semaines à travers le monde, en Europe et en France et en Alsace. Première question, quel regard portez-vous sur la situation que nous traversons et que dit finalement cette épidémie sur la marche du monde ? Elle me parle en tout cas, au moins pour trois raisons. La première, c'est que je savais, mais je redécouvre la vitesse de circulation, donc finalement l'interconnexion du monde entier. C'est-à-dire que là où au Moyen-Âge une épidémie de peste mettait 2, 3, 5 ans à se répandre, en quelques semaines, du fond de la Chine, tous les continents sont atteints. Donc cette interconnexion et cette vitesse de connexion est quelque chose qui n'est ni négatif ni positif, mais nous aimerions, nous, au titre de l'Évangile, l'utiliser aussi pour propager, non pas un virus, mais l'Évangile. Il y a une deuxième remarque, c'est que dans cette espèce d'ivresse que l'homme a à maîtriser le monde, voire à maîtriser son propre corps, il a un peu abandonné l'idée de ce qu'on appelait jadis les fléaux. Vous savez, les trois grands fléaux qui traversent toute l'Antiquité, à savoir la peste, c'est-à-dire l'épidémie, à savoir la faim, c'est-à-dire la famine, etc., et puis la guerre. Eh bien, même si aujourd'hui on pourrait en rajouter d'autres, hein, par exemple le défi écologique, etc., n'empêche que ces trois fléaux ne sont pas aussi maîtrisables, ils sont contrôlables pour une certaine part. Je pense à la guerre aussi grâce à l'ONU, je pense à la maladie grâce à l'Organisation mondiale de la santé, mais on ne les maîtrise pas totalement. Voilà. C'est vrai que ça rappelle la grande prière du Vendredi Saint, où on prie contre les épidémies, pour être protégé des épidémies. Eh bien oui, ces trois grands fléaux, finalement, restent attachés à l'humanité. Et quelque part, c'est mon troisième leçon, entre guillemets, ça montre finalement que tout ne dépend pas de l'homme, même si beaucoup dépend de lui. Je ne veux pas dire par là du tout que cette épidémie est un fléau donné par Dieu pour nous punir de je ne sais quel mot. Alors ça, c'est des traditions extrêmement simplistes qui remontent d'une espèce de religiosité archaïque qui n'a évidemment rien à voir. Dieu n'est jamais cause du mal. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est que l'homme doit rester petit devant lui-même et devant la création. Alors, dans la responsabilité qui est la vôtre, être archevêque de Strasbourg, vous avez mis en place dans les paroisses et les communautés religieuses des mesures de prévention, d'ailleurs demandées par les préfectures, demandées par l'État français. Quelles étaient ces mesures jusqu'à aujourd'hui, en sachant que ce matin, ces mesures sont plus larges que celles qui étaient déjà appliquées dans le Haut-Rhin ? Oui, donc on avait commencé à prendre des mesures contextuelles, hein, en disant bien attention, c'est à l'heure d'aujourd'hui que nous prenons des mesures qui sont donc liées au temps et à l'espace, puisque ce qui était vrai dans le Haut-Rhin jusqu'à aujourd'hui devient vrai dans toute l'Alsace à partir d'aujourd'hui. Alors, la première mesure, je crois, c'est d'un comportement personnel. Et là, je développerai deux choses. La première, c'est que la prudence n'est ni l'inconscience, ni l'angoisse. Voilà.
Donc la prudence, c'est une vertu hein, chrétienne aussi. Donc ne tombons pas dans l'inconscience de dire ce n'est pas grave, au fond, il n'y a que 98% qui vont s'en sortir. Attention, parce que même les 98% qui vont s'en sortir auront peut-être des séquelles. Hein, donc, ou dire pas que encore, c'est voilà, une simple petite grippe. Hein, c'est une simple petite grippe, etc. Et puis, alors, inversement, la position symétrique de cette inconscience, ce serait de tomber dans une angoisse hypochondriaque, on n'ose plus toucher des poignées de porte. J'ai vécu ça à Paris il y a quelques temps, où je me suis aperçu un peu étonné d'une nouvelle civilité avec des gens qui vous laissent passer dans le métro. En fait, c'est parce qu'ils veulent que vous poussiez la porte vous-même et tenir la poignée de porte. Bon, c'est un peu agréable, mais c'est quand même pas tout à fait. Ça peut augmenter la politesse. Voilà, ça peut augmenter la politesse. C'est une très bonne chose. Voilà. Et puis, la deuxième chose que j'insiste, avant de donner des consignes précises, c'est que nos consignes sont en dépendance des directives étatiques, quand je dis l'État, à travers, bien sûr, l'État, le gouvernement, bien sûr, les préfets, aussi les maires. Voilà, donc il y a des consignes précises, et nous avons, en tant que citoyens, bien entendu, mais en tant que chrétiens aussi, à obéir à ces directives de l'État. Donc ça, c'est très clair. Donc on n'outrepasse pas au motif que la foi nous protégerait de je ne sais quelle peste ou épidémie. Et puis, effectivement, nous tenons au courant et nous essayons d'appliquer ces directives, dont la première, ça va être la prise en compte de la temporalité. À Pâques, en particulier, les grandes fêtes de Pâques se rapprochent. Pour nous, je ne peux pas repousser la fête de Pâques. Et donc, c'est dans moins d'un mois que nous aurons la Semaine Sainte. Donc, il va falloir qu'on commence à donner des consignes pour laisser le discernement local. Donc ne soyons pas plus royalistes que le roi, hein, si on peut célébrer à quelques dizaines, célébrons avec prudence, voilà, multiplions les messes éventuellement, mais il nous faut bien, dans la conscience des chrétiens, rester dans le rythme de la liturgie. Donc la préfète du Bas-Rhin vient d'annoncer que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, donc évidemment ça pose des problèmes particuliers dans les paroisses. Comment faire? Est-ce qu'il faut arrêter un numerus clausus? Est-ce qu'il faut du coup multiplier les messes? Vous, votre position là-dessus, quelles sont les consignes? Alors au niveau pastoral, il y a trois dimensions. Il y a premièrement la dimension des cérémonies, des célébrations. Ensuite, il y a la question des réunions. Voilà, on avait par exemple le 24 mars prévu une réunion avec tous nos coopérateurs et coopératrices d'Alsace, donc ça fait 200 personnes, voilà. Et puis il y a aussi la question, alors non pas des assemblées, que ce soit réunion ou cérémonie, mais des visites aux malades, voilà. Je dirais aujourd'hui trois dimensions très concrètes. Qu'avons-nous à faire? Que pouvons-nous faire ces prochaines semaines? Alors, quant aux célébrations, il me semble que l'important, ce n'est pas de les annuler, mais de les modifier. Annuler, c'est dire qu'il n'y aura pas de messe de Pâques. Si, il y aura une messe de Pâques, peut-être célébrée dans l'intimité, avec quelques personnes, voilà, avec peut-être des gens qui savent faire la communion de portée, où il y aura plusieurs messes de Pâques. Voilà. C'est laisser à l'initiative de chaque curé, avec ses équipes d'animation pastorale, de dire, voilà, en fonction de la population, comment je vais gérer ces messes, en sachant qu'il y a une exception faite par la préfecture pour les funérailles et les mariages, qui sont des événements familiaux prévus et on ne peut pas faire d'exception, on ne peut pas arrêter toute la vie. Quant aux réunions, je crois que là aussi nous essayons de donner des critères très concrets. Si c'est une réunion, par exemple, c'est important, hein, mais de récollection, de vie spirituelle, eh bien on la repousse tranquillement. Et si c'est vraiment une réunion de travail, voyons de quelle façon on peut peut-être l'écourter, au lieu d'un week-end, de faire qu'une journée, peut-être se réunir à moins nombreux avec des délégués ou profiter des nouveaux moyens de communication, vidéoconférence ou autre. Voilà, parce qu'en même temps, il faut bien que, le chef de l'État l'a bien dit, il faut bien que l'économie, il faut bien que le social, il faut bien que la vie continue, sinon on aura des dégâts considérables. Alors en revanche, là où il faut être vraiment très très précis, c'est pour la visite aux personnes vulnérables et malades, que ce soit pour donner la communion, donner un sacrement ou simplement les visiter par amitié. Là aussi, c'est un métier. En particulier dans les établissements. Et en sachant que les accès sont limités. Les accès sont très limités. Donc il vaut beaucoup mieux prévenir l'aumônier qui sait, qui connaît les consignes, qui a un masque, qui est équipé, et qui ne va pas véhiculer d'une chambre à l'autre, peut-être, et être vecteur lui-même inconscient, évidemment, et involontaire, d'un virus. Voilà. En particulier, les jeunes, comme nous le savons, sont peu atteints, enfin, ils ont peu de symptômes, mais ils sont fortement vecteurs. Auprès de personnes malades, âgées, leur grand-mère, etc. Donc,
beaucoup de prudence. Là, notre pastorale de la santé a édicté des consignes précises. Il faut beaucoup mieux téléphoner à l'aumônier de l'hôpital en disant « Allez voir Madame Intel » ou tout simplement user de nouveaux moyens de communication. Voilà, je n'ai pas mon téléphone, mais enfin, tout le monde a un téléphone sur lui. Ça fait très plaisir à une petite mamie qu'on lui téléphone pour lui prendre de ses nouvelles, tout simplement. Hein, voilà. Alors, parmi les mesures qui ont été mises en place à l'occasion des célébrations eucharistiques, il y a le fait de ne plus donner la communion sur la langue, mais dans la main, pour limiter justement aussi la contamination. C'est une mesure qui choque un certain nombre de fidèles. Qu'est-ce que vous leur dites à ces fidèles qui sont... La réponse est très très simple. Hein. Nulle part, il n'y a aucune obligation divine à communier dans la langue. On demande de faire un geste respect, que la façon dont on reçoit la communion soit respectueuse, que ce soit dans la forme extraordinaire, dans la forme ordinaire. Et la vraie réponse, elle est tout simplement dans la célébration de notre paroisse, où se vit la paroisse donc, de la Croix Glorieuse, qui vit donc la forme extraordinaire. Les gens sont très bien rentrés là-dedans, ils se mettent à genoux, c'est dans la main. Et même certains, et c'est une excellente idée, s'ils veulent un geste de respect supplémentaire pour ne pas recevoir le Christ dans les mains, peuvent mettre un petit linge, un petit purificatoire. Ils se communient eux-mêmes ensuite, à partir de l'Eucharistie qu'ils ont reçu. Voilà, donc il y a tout à fait moyen de manifester une grande vénération pour l'Eucharistie, alors que communier sur les lèvres, c'est pour le prêtre être obligé de se laver les mains entre chaque communion. Mais oui, c'est ça, puisqu'on touche les lèvres ou la langue de la personne, c'est-à-dire que c'est le moyen infaillible de transmettre quelque chose d'une personne qui ignore qu'elle est porteuse à une autre personne qui était en bonne santé. Alors, quel est aujourd'hui, dans cette situation, le message pastoral que vous souhaitez donner à votre diocèse comme archevêque de Strasbourg? Vous allez proposer donc le vendredi 20 mars quelque chose de particulier, justement. Alors, c'est très important. Hein. Donc, encore une fois, la pastorale, notre mission est modifiée dans sa forme, elle n'est pas arrêtée. Hein. Je me suis permis de donner cette formule, le confinement chez soi n'est pas l'enfermement sur soi. Bon, on a ses peurs, les autres ont leurs peurs, pas de problème, mais il nous faut quand même activer peut-être des réseaux que j'appellerais des réseaux de voisinage, au sens de domestique, le sens ancien, vous savez, la domus, la maison, c'est la famille, c'est les voisins tout proches, c'est les amis. Essayons de faire quelque chose. Et nous proposons pour le tout le diocèse, en lien avec ce personnel soignant et ces malades qui aujourd'hui souffrent, en tout cas sont dans un état vraiment de don d'eux-mêmes extraordinaire, le vendredi 20 mars, une journée de jeûne et de prière. Nous avons même proposé un petit fascicule pour aider dans cette prière que j'appelle domestique, caractère familial, hein, le voisinage. Ça peut être un lieu de dire, voilà, nous vivons, pour tous ceux qui le peuvent, bien entendu, pas les malades, faire une journée de jeûne, le vendredi de carême, avant le vendredi saint, bien sûr, avant la semaine sainte. Et ce serait peut-être l'occasion d'un renouvellement pastoral aussi, de reprise de conscience de notre communion très forte de solidarité. Et en particulier, elle sera dédiée cette journée à ces personnels soignants, en tous les sens du terme, hein, ou accueillants, qui aujourd'hui sont vraiment sur la corde raide. Comment les diocésains seront avertis, informés de cette opération et où est-ce qu'ils Voilà, donc on aura un communiqué de presse qui va partir dès aujourd'hui à l'égard de tous les médias et de tous nos acteurs en pastoral. Alors cette épidémie, évidemment, qui sévit, qui ne cesse de croître pour l'instant, génère pas mal d'angoisse chez beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous dites comme archevêque de Strasbourg à ces personnes qui sont angoissées, qui se disent « mais où est-ce qu'on va? Est-ce que le Seigneur nous a abandonnés ?» Alors, il y a plusieurs types de peurs. Hein. L'angoisse étant, si j'ose dire, la forme un peu ultime. Il faut le rappeler. Hein. Alors, comment sait-on si on est craintif ou si on a peur? Ça, on le sait tout de suite. Et puis, comment sait-on qu'on est angoissé? C'est quand cette peur commence, c'est le terme latin, à nous prendre à la gorge. Vous savez, on commence à avoir du mal à parler, à penser, ça nous sert. Qui sont aussi le signe du Covid-19. Hein. Et ce qui peut être aussi, voilà, hein, exactement, parce qu'on a du mal à respirer, etc. Bon. Donc, se rappeler qu'on ne maîtrise pas l'origine d'une peur et l'origine d'une angoisse. C'est toute la question de savoir ce que l'on en fait. Voilà. Pourquoi suis-je angoissé? De quoi ai-je peur? Voilà. Est-ce que j'ai peur d'être contaminé, de mourir, d'être malade, ou bien de contaminer les autres? Voilà. Ou bien alors des peurs à caractère spirituel, en disant, mais... Le mouvement, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça m'arrive à moi ou dans ma famille, voilà, des choses comme cela.
Souvent, hein, ça c'est une expérience personnelle, si j'ose dire, et peut-être évangélique, la peur, même si elle ne disparaît pas, se vit beaucoup mieux lorsqu'on n'est pas seul. C'est-à-dire que, au fond, c'est la conjugaison de la solitude et de l'angoisse qui est terrible et qui peut parfois nous conduire à des comportements complètement insensés que nous regretterions plus tard. Dernière question, vous deviez aller en visite à Dimina à Rome, donc ces visites ont été annulées, enfin ou reportées. Le pape François est confiné au Vatican, tout le Vatican est confiné, mais le pape François a décidé justement pour accompagner, et surtout par rapport à l'Italie qui vit quand même des heures difficiles, de retransmettre sa messe du matin et donc de prêcher et d'apporter un message d'espoir à l'occasion de ces messes du matin. Il a aussi demandé à ce que les prêtres soient sur le terrain, proches des malades, proches des familles. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux prêtres du diocèse et plus largement d'ailleurs aux chrétiens du diocèse dans cette situation ? Pour les prêtres et tous nos acteurs en pastoral et tous les chrétiens, en disant le pape parle de dépasser sa peur, donc voilà, nous, en tant que porteurs davantage de la mission du Seigneur, nous avons peut-être aussi nos peurs, surtout si nous sommes prêtres, mais âgés, nous avons à les dépasser. Et donc, pas nécessairement d'aller faire le tour des EHPAD et des hôpitaux qui nous sont interdits aujourd'hui, je le rappelle, donc, sauf être déjà professionnel, aumônier titulaire. Mais nous avons peut-être à aller vers les gens, pour leur dire, écoutez, de quoi avez-vous besoin ? On se propose, on frappe à la porte de la mairie pour dire, est-ce qu'il y a des gens à visiter, des courses à faire ? Tout bête, même un prêtre peut faire cela. Voilà. Le simple prudence nous dit attention de ne pas être soi-même par générosité vecteur de contagion, surtout auprès de personnes vulnérables. Mais sans trahir la pensée du Saint-Père, je pense qu'on peut rajouter qu'il y a des visites aussi par téléphone, évidemment par Skype ou par certaines applications. On voit le visage, ça fait très plaisir aussi un coup de téléphone d'une personne qui est malade. Et là, pour le coup, à part des virus informatiques, il n'y a pas de problème. Merci Monseigneur Ravel, merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à médiatiser autour de vous cette interview avec Monseigneur Ravel.